Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le sujet du hack de Madame Mademoiselle Poupini. Alors, comment vous dire? Mais pourquoi vous croyez à ça? Mais ce sont des bêtises les gars, mais ce sont des bêtises. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi moi je dis que c'est des bêtises, hein. Je ne vais pas dire ça comme ça dans le vent, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, Askip, puisque déjà d'une, vous m'avez dit dans mes lives, dans mes derniers lives, à chaque fois, Poupini se fait hack, t'as vu et tout, machin. Et moi, je suis en mode, mais what? Non, mais n'importe quoi, Poupini, je pense que si elle est dans le top 1, c'est pas pour rien, c'est qu'elle fait attention à son compte, c'est qu'elle ne le prête pas à n'importe qui, c'est qu'il y a pas mal de choses, elle doit être vraiment très. Voilà, faire très très attention à son compte. Mais bon, ça, c'est une parole à moi, hein. Je n'ai pas de preuves concernant celle-ci, mais par contre, on peut parler des autres. Alors, ce qui a mis la puce à l'oreille de certains youtubeurs ou quoi, c'était un message qu'elle avait mis dans son Que fais-tu qui disait « Les rateux font leur pub pour le réseau de Tite Alexia alias Cathy Espeutre MDR couché ». Askip, c'était pas son écriture, c'est pas comme ça qu'elle parle, machin, blablabla. Je tiens quand même à vous dire que, enfin, moi, je vois rien de choquant dans son message, enfin... pour moi, c'est bien écrit, y a pas de faute, enfin du moins j'en vois pas. Voilà. Franchement, elle se serait vraiment free hack. Déjà d'une, la personne, elle aurait fait un que fais-tu complètement différent, elle lui aurait changé son look, elle aurait fait plein de choses. Donc déjà ça, je comprends pas. Pourquoi, juste pour un message, on dit qu'elle se fait hack? La pauvre quoi. Un jour, elle va mettre un look un peu moins beau que ce qu'elle fait d'habitude et boum, il y a tout le monde qui va dire qu'elle se fait hack. C'est assez rigolo. Mais elle aurait fait une vidéo dans laquelle moi j'ai déjà vu sa vidéo. On va aller voir ça ensemble. Voilà, c'est celui-ci, le plus mauvais plan. On va regarder ça ensemble. Et des gens pensent qu'elle s'est fait hack aussi par rapport à cette vidéo-là. Que moi, je vous dis d'avance, je trouve tout à fait normal. Alors je vais pourrir son mur, l'insulter, faire des rumeurs, dire que c'est une vieille. Quoi, mon plan a pas marché? Elle est encore là? Elle va se faire virer si elle continue comme ça, la cagueule. MSP m'a bloqué, oh non. Et voilà. Alors, avec Madame Toilette, on va lui donner une bonne note. Alors, cette vidéo-là, pour moi, c'est juste quelqu'un qui fait une vidéo pour faire rager une autre personne. Je pense que, voilà, Poupini, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Il y a pas mal de gens, d'ailleurs, qui ne l'aiment pas. J'ai remarqué dans mes commentaires du vidéo, vous n'étiez pas nombreux à la soutenir. Mais pour le coup, je ne peux pas être d'accord avec les gens qui disent qu'elle se fait hack. C'est juste qu'elle a fait cette vidéo-là pour énerver les personnes qui essayent de l'énerver, elle. Dans le sens, les gens qui se font... Enfin, qu'ils ont apparemment créé, je crois, un... Enfin, j'ai pas tout compris l'histoire, mais... qui se font passer pour elle sur les réseaux sociaux en utilisant le prénom et le nom Cathy Espeu. Donc, je pense qu'il, de moi, est peut-être faux, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, que ce soit vrai ou faux, ça ne se fait pas. On prend pas l'identité des gens, on n'essaye pas du moins d'imiter l'identité de quelqu'un sur internet et faire passer cette personne pour quelque chose qu'elle n'est pas. Voilà, on a beau ne pas l'aimer ou l'aimer, mais ce sont des choses qui ne se font pas. Donc moi, ce qu'elle a fait dans cette vidéo-là, tout ce que je remarque, c'est qu'elle essaie juste d'énerver les personnes qui font ça, en montrant que ces personnes-là s'énervent derrière leur écran, que ce sont des rageux derrière leur écran, et qui se transforment en trolls tellement ils ragent. Et au final, c'est eux qui se font bannir, bloquer, parce qu'ils vont trop loin dans leurs actes, dans ce qu'ils font. Donc moi, c'est ce que je pense. Donc pour clôturer cette vidéo, je tiens quand même à préciser que je n'ai pas été payée par Poupini pour dire ça, mais elle, pour selon moi, elle ne s'est pas fait hacker, loin de là. Et voilà, c'est pas parce qu'elle met un que fais-tu un peu plus différent ou quelque chose comme ça qu'elle se fait directement hack. Hein. Franchement, si Poupini se fait hack, il y a plus que ça qui aurait changé. Donc, voilà. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un live ou une autre vidéo. Ciao ciao.